Salut à tous, c'est Moltres, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir au titre à la miniature, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture, les fantômes du passé, la deuxième incarnation. Aujourd'hui on va essayer de choper la nouvelle carte pour les arcs-en-ciel qu'on n'a pas encore eu. Pourquoi pas du Kluger, pourquoi pas de la Lubert, des cartes comme ça, ça pourrait être sympa à récupérer même si on en a déjà eu. Les ghosts évidemment, ce serait toujours cool, mais bon vu le ratio ça va être compliqué je pense. J'espère que la vidéo vous plaira, mais avant de commencer, abonne-toi à la chaîne pour le soutien si ce n'est pas encore fait. Du coup, on est parti pour l'ouverture de ces boosters. J'en ai 20 à s'ouvrir, comme ça, je ouvre tous mes boosters. Donc, on est parti, on va aller assez vite parce que voilà, ça fait déjà plusieurs ouvertures qu'on se fait. Donc, on va aller assez vite. Hop, donc on a du Phantorus. Ensuite, on a celle-ci, le lancer cupide, le navire. Et attention, le guerrier fossile qui est très sympa, une carte de Jim Crocodile Cook. On récupère. On continue avec un petit booster Archidémon. Hop. Alors, du coup, nous avons... le Phantorus, encore le même. Ensuite, une petite sphère mystique, sympa. Le numéro 38. Le robot bureau 01, ça fait la deuxième fois qu'on l'a. Et attention, à Lubert, le fou d'Espia. La meilleure carte à récupérer hors gosse. Donc voilà, franchement, une petite pépite dès le deuxième booster. Ça, on prend, c'est génial. On continue du coup avec un petit booster Cyberdragon. Hop. N'hésitez pas à me dire, vous, si dans vos coffrets, vous avez eu quelque chose de sympa. Donc, on a un petit Phantorus, ensuite un agent, en plus c'est un nouveau, le sandwich, le niveau boss Generider, je crois qu'on n'a pas encore eu, donc c'est cool pour le full set. Et derrière, le sable mystique. On continue, hop. Voilà. Alors, attention, nous avons l'esprit Tenyu qui est Ashuna, c'est le plus cool à récupérer, le Mapura, le Manjou des 10 000 mains, sympa, le robot bureau 01, et attention, le Neptune, agent de la vie, je crois qu'on a eu en une fois, mais voilà, un petit coup, en deuxième fois, c'est sympa. On continue avec un petit booster, Cyberdragon. Hop. Voilà. Donc, un petit DD des savants, le cœur céleste, le numéro 60, l'art du rituel avancé, qui est une très bonne carte, et attention, ouh, le petit Increase Hérovision, qui est une très très bonne carte à récupérer. Donc là, on a franchement trois petites belles cartes, c'est sympa. Un petit booster avec la magicienne des ténèbres. Est-ce que ça appellerait la ghost magicienne des ténèbres? On ne sait jamais. Hop. Je vais essayer de la mettre comme il faut. Alors, le dragon primitif qui a une super belle illustration. Le minimum Ray Hérovision qui est sympa à récupérer. L'art du rituel avancé. Le roi du déclin Bar Lord Roche. Ça, c'est génial à récupérer. Tous les decks zombies et surtout Edlish. Et attention, nous avons... oh! Nous avons Cyber Dragon Ghost. Là, c'est ouf. C'est la première fois qu'on ouvre une ghost. Oh là là, c'est une dinguerie. Donc franchement, voilà, donc très très sympa. Donc là, il y a un petit pet, je sais pas si on peut l'enlever. Ça a pas l'air de s'enlever, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, franchement, c'est une dinguerie. Voilà, donc Cyber Dragon Ghost, je vais la mettre sous pochette directement. Elle est magnifique. Hop, je sors les pochettes. Attention, je vous la mets sous pochette directement. Voilà, le Cyber Dragon Ghost, voilà. Oh là là, c'est vraiment une pépite. Franchement, j'adore. Magnifique, magnifique, hein. Je vais vous la mettre là, c'est vraiment une dinguerie. Donc on va pouvoir repartir maintenant, voilà, je me suis remis de mes émotions, franchement c'est la première ghost que je pack, donc c'est vraiment une dinguerie comme je disais juste avant. Et on continue avec le booster avec dragon blanc aux yeux bleus. Hop, donc en espérant choper autre chose, mais franchement on a déjà eu à Lubert des cartes super cool, le cyber dragon, enfin voilà, c'est vraiment une dinguerie cette ouverture. Donc le cœur céleste, le dieu des arches, le reptilia, le Yangzing et attention, les faux sacrés célestes. Voilà, donc une très très belle carte pour les agents. On continue avec un autre booster, donc dragon blanc aux yeux bleus. Hop, attention. Donc nous avons le Phantorus. Oh, minimum ray encore une fois, ça c'est cool, on met de côté. Du Yangzing, le grand paladin et attention, la machine force fossile qu'on voit squelette qui est très sympa également. On met de côté, on va prendre un petit coup dans l'autre pile, pourquoi pas, ça changera. Hop, voilà. Alors... nous avons celle-ci, donc qui est très sympa, donc la machine fossile, le petit agent de la sagesse, les 9 piliers, le dragon du carnage, et attention, la banshee nécro qui est très cool à récupérer également pour les monstres zombies. On met de côté. On va pouvoir continuer avec la magicienne en booster, voilà, hop. Ce qui serait sympa, ce serait d'avoir la nouvelle carte pour les dragons arc-en-ciel, on va essayer maintenant. Donc on a la machine fossile comme avant, un petit agent, le roi du déclin Baleur Droge, donc qui nous a porté chance tout à l'heure. Ensuite le dragon nécro zombie aux yeux rouges qui est magnifique également. Et derrière nous avons le boss Generider de la lumière. On continue avec un booster Cyber Dragon. Hop.
Voilà, donc attention. Ouh, le multiply. Donc ça, c'est parfait. La carapace, le grand paladin, le numéro 60. Et attention, le DDD, roi de la destinée 0 la place, qui est vraiment une super carte à récupérer. Pour l'instant, on a vraiment des petites pépites à récupérer. C'est bien cool. Voilà, hop. Alors, nous avons la momie Phantorus. Ensuite, le minimum ray Hérovision. Ensuite, nous avons le Manjou des 10 000 mains, le Cercle du Dragon Divin et attention, le Pharis qui est la meilleure des cartes Hérovision. Donc voilà, c'est vraiment une dinguerie à récupérer. Oh là là, franchement, on est vraiment gâté dans cette ouverture, c'est vraiment génial. On va continuer, en plus il nous reste combien de boosters? On va faire un petit récap quand même. Alors, il nous reste 3, 6, 8. Donc on a quand même ouvert 12 boosters, on a vraiment eu des pépites entre toutes les Hérovision, le Baller Drop, bah évidemment la Cyber Dragon, le Alubert, franchement c'est des pépites. On continue avec un booster Magicienne des Ténèbres. Hop, attention. Alors, nous avons le DDD, ensuite le cœur, le Tatsu Necro qui est une bonne carte à récupérer, une carte DDD. Et attention, encore un Alubert. Bah voilà, franchement, c'est une dinguerie. Voilà, c'est la meilleure carte à récupérer hors gosse. Donc quoi dire, on l'a déjà en deux fois. C'est fou, cette ouverture, c'est vraiment une dinguerie. Je sais que je l'ai dit beaucoup de fois, mais voilà. Franchement, c'est génial. On continue avec un booster Cyber Dragon. Dragon blanc aux yeux bleus, pardon. Hop. Alors, on a le Pluton l'exécuteur, le Ella, le robot bureau 01, le Technochimère qui est super intéressant et le sable mystique. On continue. Hop. Alors, nous avons Contrat du vide. Ensuite, le Vion Hérovision qui est une super bonne carte. À mon avis, on a eu au moins un exemplaire de chaque Hérovision. C'est cool. Celle-ci, le Sanctuaire Céleste. Le Pharis, encore une fois, qui est la meilleure des Hérovision à récupérer. Bah voilà, franchement, ça continue. Cette ouverture est juste magique. Alors, hop. Alors, nous avons Agent, le Sage Enfernité, le Robot Bureau 001, le Lancer Cupide et attention, l'Incré Hérovision qui est la deuxième meilleure. Donc voilà, ça continue, ça continue. Ensuite, un petit booster, Archidémon. Hop, on continue. Hop, alors, on a la Machine Fossile Buggy, le Duc Vampire, le Sanctuaire Céleste, le numéro 38 et attention, le petit guerrier fossile. Bon, c'est moins intéressant, mais c'est quand même cool. C'est de la Jim Crocodile Cook en carte, donc c'est sympa. Hop, alors attention. Alors, nous avons Carapace Automobile, le Contrat du Vide, Niveau Boss, le Poisson Rare et le Neptune Agent. On continue avec un petit booster Cyber Dragon qui est l'avant-dernier. Voilà. Et attention, nous avons Insector Gigamite, le Reine des Poupées, le Patrol du Pillage, le Sandwich et attention, le Boss Generator. Et nous avons le dernier booster. Est-ce qu'on aura une dernière pépite dans ce booster? Mais on a déjà été beaucoup gâtés dans cette ouverture. Alors attention, nous avons Machine Fossile, le Spectre Phantorus, le Dragon Zombie Nécro, le Manjou et attention, la Machine Fossile qui est une bonne carte quand même. Je vais vous prendre vraiment les meilleures cartes vite fait. Alors attention, on a quand même eu des vraies dingueries. Alors attention, tac tac tac. Voilà, donc rien de tenir ça en main, bah en une seule ouverture, en 5 coffrets, bah c'est une dinguerie. Évidemment, la meilleure des cartes, c'est le Cyber Dragon en gosse. Voilà, donc il est magnifique, je vais essayer de vous le montrer comme ça. Voilà, donc une magnifique carte, elle est trop 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 belle. J'espère que cette ouverture vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram, Facebook, Twitter et surtout sur YouTube. Et sur ce, ciao ciao.